Dans cette vidéo, nous allons faire euh, la création des fichiers de forme. Nous allons euh, utiliser comme euh, format de stockage des données géographiques le format SHP, et les fichiers de forme. Nous avons déjà notre euh, dictionnaire de données qui est là, avec euh, les différentes classes d'entités à créer. Et nous allons commencer par euh, Espace vert. Et pour cela, nous allons venir dans euh, ArcMap. Et nous sommes ici dans le catalogue. Nous pouvons soit faire un clic droit sur le dossier accueil, nouveau, fichier de forme, ou bien venir dans l'onglet, dans les volets contenu, faire clic droit, nouveau, ensuite fichier de forme. Et notre premier fichier de forme s'appelle espace vert. Espace vert. Et si nous regardons dans le dictionnaire des données, les types de données d'identité spatiale, c'est polygone. Donc nous allons choisir ici type d'entité polygone. Le système de coordonnées, c'est VGS84. Et nous allons faire OK. Donc, euh, automatiquement, et un nouveau fichier de forme, une nouvelle couche s'ajoute dans ArcMap et un nouveau fichier de forme qui est créé, qui s'appelle Espace Vert. De par l'icône, nous voyons bien qu'il contient des éléments, qu'il va contenir des éléments polygonaux. Pour l'instant, notre base de données est vide. Nous allons continuer avec euh, la prochaine classe d'entité. Bon, disons, avant de continuer, nous allons définir les différents attributs. Et il y a un attribut qui s'appelle uh, identifiant espace vert. Il y a superficie, il y a périmètre, il y a observation. Nous avons uh, identifiant, c'est un petit court. Bon, et l'identifiant, en général, il est géré par défaut, par la base de données elle-même. Donc, il y a un, un champ identifiant. Et si je fais clic droit uh, sur mon fichier de forme, uh, propriété, et je pars au niveau des champs, uh, Je vois qu'il y a un champ ID qui est créé. Bon, il est de type anti-long. Je peux le considérer comme étant mon identifiant. Et je vais créer les autres attributs, et comme la superficie qui est de type double, périmètre qui est de type double et observation qui est de type texte et de longueur de 154 caractères. Donc, je vais créer le champ superficie qui est de type double le périmètre qui est de type aussi double et OBS observation qui est de type texte avec une longueur de 250 cadres. Voilà, donc euh, j'ai fini de créer la classe d'entité espace vert, je vais créer la voie. Donc euh, le nom, c'est voie et le type d'entité, c'est ligne ou bien polyligne. Voilà, poly Polylignes. Et l'identifiant ici à gérer automatiquement. Il y a l'emprise en mètre, il y a la longueur, et enfin il y a observation. Voilà. Donc euh, je vais faire clic droit, nouveau, fichier de forme, voie de types polyligne, système de coordonnées VGS84. Je fais OK. Donc euh, je viens, je fais clic droit, propriété il y a parmi les attributs il y a emprise longueur observation donc emprise emprise de type euh, réel flottant flotte il y a la longueur qui est de type euh, double donc ici je corrige c'est flottant et l'identifiant lui il est de type anti long voilà donc ici c'est flottant ici double et enfin, il y a observation de type texte et de longueur 254. Et la prochaine classe d'entité à créer, c'est arbre, donc euh, espèce. Ensuite, observation, ce sont les champs que je vais créer. Clique droit, nouveau. Et arbre, et qui est de type point. C'est le type d'entité choisi par défaut. J'ai défini les système de coordonnées. Voilà, et j'ai fait OK. Donc euh, là, j'ai fait clic droit, clic droit, propriété. Il y a espèce, espèce sans accent, comme c'est une codification, texte de longueur 50. Voilà, après, j'ai les champs observation, OBS, qui va contenir des informations complémentaires. Donc, écrire 200. 54. Ok. Donc, euh, ma dernière classe d'entité s'appelle Lampadaire, qui est aussi de type point. système de coordonnées VGS84. Je fais clic droit, propriété. Pour les Lampadaires, il y a sa forme et de type texte de longueur 50. Je peux ajouter un autre champ observation de longueur 154 et je fais ok donc là je viens de créer mes différents fichiers de forme donc c'est ma base de données qui est vide pour l'instant et ne contient rien voilà donc dans la prochaine vidéo nous allons procéder à la digitalisation et voilà donc des éléments des classes d'entités et saisir les données attributaires Pour voir, la, pour voir les résultats eh, de la création de nos fichiers de forme, il suffit d'aller dans le dossier tpsig.un. Eh, nous allons voir que, par exemple, pour uh, eh, les shopfile arbre, nous avons ici combien de fichiers 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a un fichier lock créé. Donc, les trois fichiers les plus importants, il y a le .shx, .shp et .dbf. Donc, ces fichiers contiennent les données de projection. Nous pouvons même les visualiser à travers euh, notre plus Donc, nous voyons bien qu'ils euh, contiennent les informations sur les systèmes de projection utilisés. Et donc, c'est géographique, code d'un système WGS 1984.com, voilà, ainsi de suite. Donc, euh, nous avons aussi euh, les fichiers qu'on a exportés, qu'on a créés à partir du de, fichier Excel. Nous avons les autres fichiers de forme.